Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau produit et pas n'importe lequel. Celui-ci fait partie du plus petit accessoire du marché et des plus visibles. Il s'agit des feux arrière avec clignotant intégré de chez Highsider. Il existe aussi le même chez Kellerman, mais on va vous expliquer dans cette vidéo pourquoi on a choisi de travailler avec Highsider plutôt que Kellerman. Donc, quand vous recevez votre produit, il est sous cette forme, donc dans une boîte avec le produit apparent. Donc, on va vous montrer à quoi il ressemble quand vous le recevez. C'est toujours plus sympa de voir un déballage. On va vous expliquer du coup ce qu'on a à l'intérieur. Donc, on a une petite brochure avec les types de produits de chez Highsider que vous pouvez découvrir sur notre site. Vous avez une petite notice qui explique comment le brancher sur la moto. Vous avez des cosses japonaises, donc ça, c'est assez sympa pour pouvoir faire un branchement vraiment parfait avec de la petite bande thermique, de la gaine thermo pour pouvoir refermer tout correctement avec une étanchéité parfaite. Et le plus important, forcément, c'est les feux. Donc ils sont livrés par paire. Et ils sont au prix de 129,90€ la paire. Donc pourquoi du coup Highsider plutôt que Kellerman? Déjà d'une par rapport au prix. Car là on a une grosse différence de prix entre les deux marques. On est à 129,90€ pour ce produit là. Tandis qu'on est à plus de 200€, on est à 218€ de souvenirs chez Kellerman. Donc on a une très grosse différence de prix pour un produit qui est quasiment identique. On est sur la même taille de produit. On est vraiment sur du petit, hein. Vous voyez, on est vraiment minuscule. On a un filetage ici, on peut faire passer quasiment partout. Et vous avez un boulon avec une rondelle qui sont fendues pour pouvoir les sortir directement avec le fil ici, pour pouvoir les enlever. On va vous montrer comment ils fonctionnent. La puissance, donc on est vraiment sur une puissance très élevée, hein. On a rien d'autre d'équivalent sur le marché, même en grosse taille. Là, pour sa taille, c'est juste hallucinant ce qu'il arrive à sortir. Nous, on trouve vraiment ça dingue. Donc, on va vous montrer la puissance de ce petit bijou. Nous avons branché ces feux sur une batterie externe pour que vous puissiez vous rendre compte de l'effet en plein soleil de l'éclairage de ces feux arrière, et ils sont juste posés sur la moto et non fixés pour que vous puissiez encore une fois vous rendre compte de l'efficacité de ceux-ci. Comme vous avez pu le constater, ce produit est juste hallucinant. Pour nous, c'est vraiment le coup de cœur de l'année. On est sur un produit qui est extrêmement minimaliste, vraiment petit. On est inférieur au diamètre d'une pièce de 1 centime. Et on est extrêmement puissant, hyper discret. Il n'y a vraiment rien à redire sur ce produit, hormis que vous pouvez le trouver sur frenchmonkeyshop.com. On a mis le lien du produit dans la description, c'est un produit qu'on vous propose aujourd'hui. Il existe aussi en simple clignotant. Donc pour ceux qui veulent pas le feu, qui veulent mettre en clignotant à l'avant et à l'arrière, il existe aussi en feu clignotant. Là, pour celui-ci, celui qui fait 3 en 1, on est sur un prix à la paire de 129,90€, donc assez accessible pour un produit haut de gamme comme celui-ci. Et il est fabriqué en Allemagne, donc on est sur une top qualité. On peut rien faire de mieux aujourd'hui en termes de produits 3 en 1. Ce qui me reste à faire, c'est vous remercier d'être toujours de plus en plus nombreux à nous suivre sur notre page YouTube. Sur notre chaîne YouTube, aujourd'hui on a passé les 4000 abonnés, donc c'est vraiment génial. Et continuez à être aussi nombreux, vraiment nous, ça nous encourage à sortir des vidéos de tests de produits, des vidéos tuto et des vidéos de projets. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse vous abonner en cliquant sur abonner en bas à droite et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des dernières vidéos qui sortent. C'était Florian des French Monkeys, ciao ciao.